RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Je voyage, sera à Gabès samedi 26 octobre de 17h à 19h en direct de Katène au large des idées. Vous propose une conjugaison. Y a-t-il rien de plus beau que le jaune des dunes de sable, le vert des palmiers, le bleu de la mer, Gabès, une ville, des ambitions. Quelle clé pour l'avenir, quelle clé pour Gabès, qui est une oasis historique maritime sans pareil au monde. Nous sommes à Gabès. Nous remercions Fesriel, puisque cette belle chanson de Cheikh El Hadji dit que Gabès, Pline l'Ancien, l'écrivain latin, avait dit depuis longtemps qu'à Gabès, les palmiers élevés, sous les palmiers élevés, il y a des oliviers. Nous sommes sous un olivier. Et sous l'olivier, il y a des grenadiers, il y a des vignes, il y a des froments. Et les uns les autres s'entendent, s'élèvent, se voient. Mais sous l'olivier, aujourd'hui, il y a un Tunisien vivant à l'étranger. Nous avons dit depuis longtemps qu'un Tunisien ne prend jamais un aller simple. Il ne prend jamais un aller simple. Il nous a reçus. Camping, Gzina, nous sommes sous l'olivier. C'est un jeune qui aime la Tunisie, qui n'a jamais quitté son pays. La Tunisie n'est pas seulement Tunisie, la Tunisie est là où je suis. Et Makram Zel est là avec sa femme. Il va nous dire, ils vont nous souhaiter la bienvenue pour RTCI qui a choisi de bouger. Et ne vous en faites pas, nous sommes à Gabès. Nous savons que les villes sont jalouses. Nous irons à Gafsa, nous irons à Medni, nous irons au Kef, nous irons à Sfax. Ne vous en faites pas. On remercie l'établissement de la radio et RTCI. Ils ont choisi la mobilité parce que les terrains attendent les jeunes. Les palmiers disent aux jeunes, revenez en Tunisie, essayez de voir ce qui vous attend. Alors, vous avez choisi de revenir. Oui, bon, premièrement, bienvenue à toute l'équipe d'RTCI. Vous êtes toujours les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus. Je suis un Tunisien avant, je suis équipe. Plus que 25 ans en Suisse, et c'est le moment, en fait, de retourner, de redonner la reconnaissance, en fait, envers la Tunisie. Et on a pensé à faire ce projet. Quel est ce projet? C'est un camping pension, qui est ouvert, en fait, pour les Tunisiens et aussi pour les étrangers. On a une coopération avec des Suisses et aussi des Italiens, avec des tour opérateurs qui sont des grands tour opérateurs qui aiment le sud tunisien et qui aiment toute la Tunisie, en fait. Qui vont et qui reviennent envers la Tunisie. On a pensé de faire un point de repos, en fait, ici, entre le nord et le sud. Et on est là et c'est ouvert pour tout le monde et vous êtes les bienvenus. Il m'a parlé de son père qui lui a dit « Bravo, tu es revenu en Tunisie. Ne t'en fais pas, fais ce projet. Si tu as des problèmes, j'ai ce qu'il faut pour toi. » Et lui, il a rencontré un de ces jours une dame très belle, une Allemande. Écoutez la suite, elle s'appelle Grace, une Suisse, j'ai dit une Allemande, mais oui, mais toute l'Europe est là aujourd'hui. Elle est Suissesse et elle aime la Tunisie, elle s'appelle Grace. Herzlich willkommen, marhaban bikum, fi Kadana, Gabès, fi Tunis. Et elle l'a dit à sa manière, on vous remercie, j'ai dit Gabès, mais Gabès c'est les couffins, mon couffin est là, si toutes les villes pensaient à ce plastique en train de ronger nos carrefours et toutes les places publiques. Nous avons voyagé ce matin. Depuis hier, on est là et on a vu que Gabès a envie d'enlever le plastique en essayant de rendre le couffin à la portée de tout le monde. Oui, ce couffin, qu'est-ce qu'il attend? Parce que ce couffin, je vais mettre une grenade, deux grenades. Attention, n'ayez pas peur, la grenade est belle. Homer a déjà parlé de ces grenades. Bernard Pivot, quand il était en Tunisie, on lui avait dit... On va manger des grenades. Et dit, oh non, non, des grenades, non, non, non. Les grenades d'Ulysse, ça se mange, ça fait pas mal. La Tunisie et n'aime pas l'extrémisme, la Tunisie. Et pour la paix, la Tunisie, pour le dialogue des rives et des couleurs et des saveurs, je vais mettre une grenade, une autre grenade. Elles sont pour la paix. Nous pensons à ces enfants qui partent. Nous disons à ceux qui ne cherchent que la guerre, c'est peut-être l'occasion pour revenir aux grenades qui se mangent et pour laisser d'autre côté les grenades qui tuent. J'ai mon couffin, je me déplace et je vais rejoindre mes invités parce que l'Arche de Suède est venu de Gafsa.
Il n'est pas venu les mains vides. Notre couffin est là. Il y a un livre qui vient de paraître, Henna, Henna Gabes. Nous remercions la maison d'édition qui a publié un livre, Henna Gabes, Mohamed Al-Alilham. C'est une maison d'édition qui est courageuse. Ils nous ont offert ce livre ce matin parce que nous avons visité la foire de Gabes. Alors, Lakhdar Chouid, vous êtes parmi nous. Atif Mrav, professeur émérite. Nous avons des invités de marque et ils se bousculent. Je vous assure que nous avons l'embarras du choix et ça fait plaisir parce que ils aiment tous la Tunisie. Ils veulent dire des choses. Si Mohamed Razak Jdei a des choses à dire, le pôle industriel et technologique de Gabes, il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors, allez-y, Lakhdar. Alors, je voudrais commencer par monsieur par saluer le public. Sûr, je salue Gabès. Je suis très heureux Gabs, d'être ça. Parmi, de façon, des Gabésiens, des docteurs, de façon, personnages qui sont là. Je suis dans une oasis verdoyante et luxuriante. On est vraiment très, très, très heureux. On sort des murs. Ouais. Non, mais je suis pressé parce que ça me tient à cœur, moi, de parler de toutes les façons de l'avenir de cette belle ville, de cette belle région. En d'autres termes. Oui. Gabes, c'est une grande porte, la plus grande porte du Sud. Bien sûr. Et Abdelatif Mrav, qui est professeur émérite, on va commencer par. Pour une fois, on va prendre la gauche, après on va revenir à. D'accord. Ah voilà. Et pourquoi? Parce que Abdelatif Mrav, l'auteur d'une série de livres consacrés au patrimoine et à la ville de Gabes, parce que ce livre, Le vert et le bleu, je me demande comment à l'Institut des langues vivantes de Gabes, il n'y a pas ce livre, mais tout à l'heure, Safa va nous dire, ça va se faire. Et que Gabes retrouve ses écrivains, Tahar el-Bekri. La liste est très longue. Ces Gabesiens qui ont offert des livres, des publications, des idées. Abdi Mrabat, vous êtes professeur émérite, vous avez le micro. D'abord, quand on dit une oasis, et moi je préfère le féminin, une oasis, c'est quoi l'oasis? Quelle est la valeur de l'oasis? Est-ce qu'elle a une valeur patrimoniale? Tout à fait, Serhib. S'agissant de l'oasis de Gabes, elle a plus qu'une valeur patrimoniale. Elle est le patrimoine en soi. C'est une oasis qui est inscrite d'abord sur la liste indicative de l'UNESCO pour sa valeur patrimoniale. Et l'UNESCO n'inscrit pas sur sa liste, même indicative, n'importe quoi. Donc, c'est une ville et une oasis qui est aussi concernée par d'autres ressources patrimoniales. Elle est inscrite aussi sur la liste indicative pour l'habitat troglodytique de la région de Matmata. Elle est inscrite aussi pour sa valeur historique s'agissant du limès, c'est-à-dire de cette frontière romaine de l'époque qui passait par ici. Et donc, pas mal de sites du limès romain passent encore par le gouvernorat de Gabès, par le territoire de Gabès. En plus, cette oasis, elle est unique parce que c'est une oasis littorale. Les oasis littorales, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et cette oasis littorale résiste. Hein. Elle est caractérisée par une certaine résilience, parce que des maux, elle en a vu, et elle continue à en voir encore. On en parlera certainement tout à l'heure. La pollution et autre chose, et l'urbanisation, et le problème d'eau, etc. etc. Donc, c'est... Si j'ai bien compris, toutes les routes mènent à Gabès. Allez-y, là. La porte est ouverte, là. Oui. Alors, je vous présente M. Razak Jdei, PDG du Technopole de Gabès. C'est Razak. Votre mission principale consiste généralement à établir une synergie entre le milieu universitaire et l'environnement socio-économique de Gabès. Alors, avez-vous une vision, l'effuyant d'une perspective de Gabès de l'an 2040, parce que 35 et 40, ça commence maintenant. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. On parle de ville intelligente, de ville stratège. Gabès, elle doit être au diapason de ville universitaire, de ville moderne, de ville qui a d'histoire. Gabès, c'est 400 000 habitants, plus que 400 000 habitants. 410 000 habitants, une université avec 14 000 étudiants sur la plateforme de Gabès. C'est la plus grande zone industrielle en Tunisie, 850 hectares, connue par une activité principale, c'est la chimie lourde.
La chimie lourde, 65% des phosphates tunisiens sont transformés dans les usines de Gabès. Et également, c'est la capitale d'énergie. Personne ne connaît ça, même les Tunisiens. Même nous, les Gabésiens, on ne connaît pas ça. 26% de l'électricité nationale sont produites dans les centrales de la Steg à Gabès. Un autre élément, malheureusement et heureusement, c'est la géothermie. Nous sommes la capitale de la géothermie. Ça, c'est une composante, une vingtaine de variétés de tomates cerises qui sont produites dans la région de Gabès. Donc, Gabès, des atouts, des faiblesses, mais également de l'espoir. L'espoir, c'est la jeunesse, c'est les pôles technologiques. Le pôle technologique, nous devrons penser pas à 2035, nous devrons penser à 2050. Comment voir Gabès? Allez-y, allez-y, parce que j'ai lu Gabès, paradis de l'univers. Paradis, c'est les délices, et c'est pas moi qui a dit ça, voilà. C'est le 12e siècle. Mais il a eu raison. Il a dit, Gabès, Jannat ad-Dunya. Paradis de, puisque c'est le seul, c'est la seule ville où on trouve dans le panier du Gabésien, on trouve les grenades, les dattes, le henna, bien sûr. Ça pousse qu'à Gabès, bien sûr, même on la transporte ailleurs. Le blochi, la corette et d'autres produits. Personnellement, je parle à titre personnel, comment je vois l'avenir de Gabès? Allons-y. La chimie lourde, c'est fini. C'est fini, c'est une mentalité qui est en train de disparaître. Nous sommes obligés de penser vers la chimie fine, à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, on consomme des engrais solides. Il y aura un jour, il y aura plus des engrais solides. On aura besoin des engrais liquides. Donc, la recherche, le développement, la synergie université, environnement, économique, c'est indispensable. Aujourd'hui, tout le monde, surtout le monde occidental du nord de la Méditerranée, pense à l'hydrogène vert. Nous voulons investir. Nous sommes également concurrenciés par des pays voisins et frères dans ce domaine. La Tunisie, elle a un atout majeur, c'est d'être leader dans ce domaine. Pourquoi? Tout d'abord, la proximité. Deuxième chose, nous plaidons, et moi personnellement, je plaide, on va pas se limiter à l'hydrogène vert. C'est vrai, l'hydrogène vert, on va l'exporter vert. Et ça, c'est la peur probablement de la majorité de la société. On va produire de l'hydrogène pour les Européens. Non, on va produire une partie. Notre rôle universitaire, technopole, université, industrielle, c'est de valoriser la molécule de l'hydrogène. C'est de faire de l'ammoniac, c'est de faire des alcools, c'est de faire de l'eau oxygénée qui sont indispensables pour les activités pharmaceutiques, pour les activités médicinales, pour également pour la santé des gens. Doucement. Parce que ce matin, j'ai vu un Gabésien au port de Gabès. Il m'a dit, est-ce que vous avez des remarques pour RTCI, pour nous inviter demain? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, l'usine est tombée en panne pendant 6 mois, et là, on a pu se baigner, on a mangé du poisson. Pourquoi jette-t-on ce qu'on appelle le phosphore, hein, le fameux phosphogique, alors qu'il est récupérable, alors qu'il pourrait servir pour les autoroutes, pour... mille et une choses, pourquoi jette-t-on ces eaux industrielles dans la mer? Vous avez été dans mon terrain. Bon, écoutez, là je suis un peu bien placé, puisque je serai gêné, c'est moi qui vais avoir tous les coups sur la tête. Non, pas du tout. Je parle sérieusement. Sérieusement, le phosphogypse, c'est un produit, il n'y a pas une industrie dans le monde, aucune activité industrielle qui ne peut pas générer des sous-produits. On parle plus, même dans la nomenclature scientifique, de déchets. On parle de coproduits ou de sous-produits. C'est quoi le coproduit? C'est un produit généré, inévitable, en fait, dans la réaction chimique, que nous devrons conserver, soit dans des conditions appropriées, soit également la valoriser. Le phosphogypse. Comment le valoriser? On le dit une fois pour toutes. Ouais. Avec la présentation alchimique, c'est 95% de gypse qui se dissout dans l'eau et 5% c'est des métaux lourds et autres composants qui ne se dissolvent pas. Le risque qui a été et le danger que nous sommes en train de vivre à Gabès, c'est de continuer à divertir le phosphogypse dans la mer. C'est 5% qui pose problème avec le cumul des années, depuis les années 72. Nous plaidons pour qu'on arrête le déversement de phosphogypse dans la mer, et la valorisation, elle passe systématiquement par le stockage. Voilà. Stocker, transformer. Stocker et ensuite valoriser. Maintenant, tout le monde, partout, surtout les pays occidentaux,
Ils cherchent à extraire les éléments terres rares. Les éléments terres rares qui sont le lithium, le thorium, ainsi de suite, qui sont très convoités pour les portables, pour les cellules photovoltaïques, pour les éoliennes, pour les batteries électriques des voitures, ainsi de suite. Donc c'est une occasion en or. En or, je suis, je comprends la position. Nous sommes émus parce que nous avons un président directeur général du pôle industriel et technologique de Gabès. Moi, j'admire. J'admire son courage, sa passion. Il y a des solutions, il y a des richesses. Comment transformer, comment récupérer, comment stocker, comment sauver, comment respecter la mer? C'est ça. Non seulement respecter la mer, mais respecter l'oasis, parce que le mal a été fait. C'est ça le problème. L'oasis. Moi, je suis d'accord avec Abderrazak quand il parle, comme il l'a fait. C'est tout à fait logique, tout à fait attendu. Mais moi, je parle aux ressources patrimoniales. Je dis que Gabès n'a pas que les usines, n'a pas que le phosphate, n'a pas que les engrais, n'a pas que la saïpa, n'a pas que ceci, cela, mais qu'elle a aussi des ressources patrimoniales qu'il va falloir songer à exploiter. Nous sommes dans une oasis. Là où nous sommes, c'est une oasis. Les palmiers sont de l'autre côté. Voilà un enfant tunisien, il est revenu en Tunisie, originaire de Gabès. Il y en a d'autres. Nous avons vu un autre Gabésien ce matin qui travaille à Lyon, à Paris, qui a fait le tour du monde, nous a reçus sans rendez-vous d'ailleurs. Ils sont très généreux, ces Gabésiens-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça l'identité gabésienne, c'est ça le patrimoine aussi gabésien. Mais vous êtes en colère, là, vous cachez votre colère, parce que quand vous avez vu des clôtures, vous avez dit, au lieu d'utiliser les palmiers et le génie de l'oasis pour clôturer, pour fabriquer des couffins, pour faire ceci, cela, regardez ce couffin là-haut. C'est un couffin avec des poignées. Avec des poignées, il est généreux, ce couffin, il est génial. Moi, je trouve, c'est un bijou. Sofiane Benjima, merci, Sofiane. Regardez, il est, je suis séduit par cette lumière de Gabès, chantée par Khaled Haji. Et c'est le couffin de Gabès qui dit aux jeunes Gabésiens, revenez en Tunisie. Le couffin vous attend, mais il est plein d'idées. Il y a le phosphate, on va le récupérer, on va le stocker. Il y a l'oasis, elle est riche. Continuez. Oui, absolument. Mais de toute façon, le problème de l'oasis, ce n'est pas uniquement le phosphogypse. C'est entre autres le phosphogypse. Mais les maux que cette oasis est en train de subir sont multipliés par 5 ou 6. On voit le béton. Il y a le béton, il y a l'urbanisation. Sauvage. Sauvage, absolument. Il y a les panneaux solaires. On grignote chaque année. Un hectare ou deux sur la superficie. Combien d'hectares? Oh, plusieurs, je ne sais pas, mais un hectare facilement. Il cache son jeu là. C'est lui qui a tracé, dessiné la carte, historique, archéologique. On va y venir. Nous y sommes. Non. Les sites archéologiques, c'est aussi un autre problème que connaît cette région-là. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est l'oasis. Alors, il y a le phosphogypse. Il y a la pollution, donc avec le phosphogypse, les émanations, les rejets de gaz, etc., la pollution atmosphérique aussi. L'oasis subit la pollution de plein fouet. Il y a le réchauffement climatique aussi, qui est en train d'arriver à grande vitesse. On imagine que d'ici 2050, il y aura. Restons optimistes. Oui, 17% de moins de précipitations. Non, votre main, le vert et le bleu, là. Vous êtes préparé. Vous êtes optimiste. Oui, je suis optimiste parce que c'est l'oasis qui se défend elle-même. Oui, il faut savoir que pendant toute la période historique, cette oasis a subi des agressions sans cesse, depuis le début de l'histoire. Sfax Fekhatar. Alors, quand on me dit Sfax Fekhatar, il y a un livre qui vient de sortir, Tabi'at Athirat Tagayyur al-Monah. Le docteur Riyad Hajtaï, à ce moment-là, c'est un livre qu'on va présenter à Sfax, mais juste une petite parenthèse que nous fermons rapidement. Mais toutes les villes tunisiennes sont ambitieuses, réfléchissent, s'interrogent. Quelles sont les solutions? Les solutions sont nombreuses. C'est moi qui c'est là, allez. Ben, je voudrais revenir au phosphogypse, parce qu'il a empoisonné depuis la création des usines, alors d'engrais chimiques, la vie des Gabésiens. Je voudrais leur donner une lueur d'espoir. Allez-y. Alors, je leur dis que le Brésil et la Chine, actuellement, ils valorisent 100% de leurs déchets en phosphogypse. Il y a l'Espagne et la Belgique, 40% de leurs phosphogypse. Qu'attendons-nous pour le faire?
Justement, il faudrait actuellement que les Gabésiens et puis que l'État pense et réfléchisse, parce qu'on en tire des produits très valeureux. Mais qui Et empêche cela? C'est les Mohamed. études et la volonté, il y a la volonté et l'étude et le bon vouloir quand Mais même des responsables. la décision politique est claire et nette. Allez-y, au travail, au Il travail. n'y aurait plus de Ces hectares, pollution. ces terrains perdus, appel aux jeunes, ces docteurs chômeurs, il y a du travail pour tout le monde. Mohamed, c'est Mohamed, quelles sont les solutions? Les solutions, tout d'abord, vous avez bien dit, vous avez rappelé que le haut sommet de l'État, le président de la République, suit De très près. de très près ce problème de la pollution industrielle à Gabès et surtout la pollution maritime. La pollution maritime, je crois maintenant, ce qui a entravé un peu la valorisation de phosphogypse à un certain moment, c'est la classification de phosphogypse en tant que produit dangereux. Deuxième chose, il faut également mettre en place, ça c'est un avis strictement personnel, mettre en place une structure qui va être spécialisée, dédiée à la gestion et la valorisation de phosphogypse. Et son site le plus recommandé, le plus approprié, ne pourra être que Gabès, parce que 65% de phosphates sont transformés à Gabès. Je reviens à ce créneau. Ce créneau, ce n'est pas uniquement l'usine qui produit ça, le groupe chimique tunisien, mais également il y a les matériaux de construction, les cimentiers sont impliqués pour développer la recherche, les entrepreneurs de travaux publics Public, dans c'est vrai, voilà. les chaussées et les routes. Voilà. Il y a également le secteur agricole, l'agriculture. Donc il y a une multitude. Et je disais tout à l'heure, il y a une richesse, c'est l'extraction des éléments terres rares. Il y a bien d'autres choses que je ne connais pas personnellement, que nous pouvons développer davantage. Ça, c'est un premier problème. Si vous le permettez, je reviens un peu sur l'oasis. Nous sommes tous des fils d'agriculteurs et l'oasis a perdu. Ce n'est pas uniquement la pollution. Certes, la pollution a entravé, a détruit en grande partie l'activité agricole. Mais surtout, le manque de l'eau. Là, c'est Maghloub Ali, ce problème de l'eau. La science évolue, la technologie évolue, le dessalement, le traitement des eaux usées urbaines peuvent être des solutions. Le troisième point que nous pouvons souvent ignorer, il l'a dit ici Abdel Tif tout à l'heure, c'est l'urbanisme et le morcellement des terrains. Parce que c'est des terrains très, très limités et lorsque le père décède, en fait, il y a un problème d'héritage et on vend la terre pour. Appel au calme. Voilà. Alors, parce que là, tout ce qu'il faut savoir sur le phosphogypse, ouvrage collectif, c'est l'université qui réfléchit quand même. Les collègues, nous remercions les collègues du laboratoire de recherche. Il y a du travail, effectivement. Ce fameux phosphogypse est transformable, récupérable. C'est. À Oui. condition de le déclasser et de le stocker dans un milieu, dans un site approprié, en Voilà. respectant les normes. Un petit peu. Oui. Alors, votre oasis, elle va mieux maintenant? Non, non, elle va pas mieux. Elle va pas mieux. Mais pour l'eau, un petit peu, doucement là, pour l'eau, nous sommes en Tunisie quand même. Il y a la culture de l'eau, il y a le génie de l'eau. En traversant l'oasis, on a vu mille et une solutions, mais il y a des traditions, il y a un savoir-faire. L'oasis, c'est une bibliothèque de gestes, une bibliothèque de, je dirais, de petits gestes, mais qui, parce que l'autre jour, j'ai vu en direct une dame, jeune tunisienne, qui a dit, voilà, on a mis des dallos, ça coûte très cher, on va jeter l'eau dans la mer. Ah bon? Ah bon? Alors que la nappe phréatique a besoin d'eau, on met des dallos qui valent cher, un dallo vaut 1 million, et au lieu d'imaginer des bassins de rétention, en arrivant de Tunis à Gabès, nous étions ensemble, devant l'entrée de Gabès. Il va falloir que cette usine, il faut l'habiller, elle crée des emplois, il y a des familles qui travaillent. Mais la voir de loin, moi quand je vois Algem de loin, en arrivant de Tunis, l'autoroute est un miracle, bravo, on salue. Mais habillez-la, habillez-la. Et quand on voit les sorties, au lieu de confier cela aux jeunes designers, aux jeunes architectes, ingénieurs tunisiens, pour que les portes des sorties des autoroutes soient des portes gabésiennes, sfaxiennes, tozeriennes, tunisoises. Soussienne, c'est possible. Au lieu d'utiliser une porte type,
dans un pays où nous avons l'embarras des portes, Beb Saadoun, Beb Fadra, Beb Mnara, c'est possible de penser comme ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur l'industrie, sur le phosphogypse. Le phosphogypse, c'est un mal. Il faudra vraiment trouver une solution. On sait que les solutions existent depuis un certain temps, mais on n'a rien fait pour hâter, précipiter ces solutions. Il faut. Et qu'attendons-nous, bon sang? En attendant, l'écosystème, on prend pour son grade. Donc, les choses s'abîment. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'oasis, c'est une culture, c'est une ressource patrimoniale. Il faut la traiter en tant que telle. Il est vrai qu'il y a un problème d'eau, et on ne le résout pas avec le régime Apios, cette histoire de périmètre irrigué, cette histoire de ciment, comment dire, de l'utilisation du ciment pour… Et du béton. Du béton pour les rivières. On bétonne les ouèdes, alors qu'il est en train de les déboutonner, non, de comment on va dire, débétonner, l'arbre, au secours l'arbre, débétonner les ouèdes, alors qu'il y a des roseaux, il y a des nappes, la nappe phréatique. Je veux dire qu'il y a aussi un problème de gouvernance. Donc, il faudra poser ces problèmes-là, parce qu'en attendant, l'oasis se meurt. Elle a beau résister, elle a beau avoir de la résilience, et elle résiste depuis des siècles maintenant, hein, parce que le mal qu'on lui a fait, elle aurait pu disparaître. Donc c'est une clé pour le tourisme culturel. Absolument, et c'est pour ça que nous sommes là, d'ailleurs. Nous sommes là, Camping Zina. Ça, c'est une solution, entre autres. Hein. Les solutions existent, alors il faudra songer à trouver ces solutions et à les appliquer. Et il faut encourager ces jeunes. Bien sûr, on lance un appel à toute notre diaspora, les jeunes. Jusqu'à quand on va former des jeunes, alors leur donner de passant une éducation et un savoir pour qu'ils aillent travailler ailleurs. Notre pays a besoin de ses enfants. Sauf que quand ils reviennent, ils ont toutes les difficultés du monde. Au lieu de les aider, au lieu de leur dire là où ils sont, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suisse, vous êtes en France, au Canada, en Amérique, en ligne, construisez votre projet. En ligne, vous avez votre autorisation. En ligne, revenez avec les plus belles clés, les plus belles serrures. Le GABS vous attend. Tozel vous attend, Tatawin vous attend, c'est Arkitchumrab, transformer, je dirais, l'administration tunisienne à intérêt. Nous la remercions, nous la félicitons, elle a fait son travail, nos salaires sont garantis, n'est-ce pas? Attention, la Tunisie a vécu une dizaine d'années difficiles, mais dire à l'administration tunisienne maintenant, nos jeunes sont très ambitieux, ils n'attendent que cela. Absolument, il faudra appliquer la loi, moi je dirais tout simplement, parce que l'État réfléchit à la question. Il y a des projets qui ont été conçus, il y a des projets européens, d'autres nationaux, etc. Les projets n'aboutissent pas. Les projets sont là, les solutions, on les connaît. On a rédigé des rapports et des rapports sur comment sauver l'oasis. Mais dans la réalité, on continue à laisser faire. Il y a un phénomène que les géographes appellent la jardinisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent de construire des villas de luxe, hein, de prendre l'oasis pour leur propre jardin et de construire à l'intérieur du périmètre oasien. Il faut arrêter cela. Il y a le problème de la pollution. Autre chose pour attirer notre diaspora, alors il faut soigner l'environnement et puis surtout l'attractivité résidentielle en Tunisie. L'attractivité résidentielle et existentielle en Tunisie. Parce que celui qui vit à Paris, ou bien à Genève, ou bien à Stockholm, il ne reviendra pas facilement avec sa femme étrangère, ses enfants qui ont fait leurs études primaires, le début de leurs études, il va se réinstaller en Tunisie, ce serait très difficile. Mais le jour où il trouvera un pays propre, où il fait bon vivre, je crois que personne n'hésitera à venir retrouver sa maman, sa famille, le lieu où il est né, et puis son école et ses camarades d'enfance et tout. Il faudrait travailler sur ce thème. Au travail. C'est Mohamed. Alors, encore une fois, je rappelle, au large des idées, c'est des clés pour l'avenir. C'est l'avenir d'une région, de Gebs. Gebs, son nom, rien que son nom. Son nom. Et l'historien qui est à côté, l'anthropologue qui est à côté, le romancier qui est à côté, nous cache des secrets là. C'est une ville où il y a mille et un secrets, où il y a un charme. On a parlé de la magie de Gebs et je confirme.
mais on a traversé Gabès aujourd'hui, je ne sais pas, les places publiques, je ne sais pas, ces palmiers, je ne sais pas pourquoi ce plastique, pourquoi ces terrains vagues, pourquoi ces poubelles. Inventons une poubelle tunisienne là, quand même, qu'est-ce qu'on attend là? Il n'y a pas de poubelle tunisienne, merci monsieur Poubelle, que nos jeunes pensent à une poubelle tunisienne. Qui est capable de suivre le Tunisien là où il est, qui lui dit ne crache pas, non, ne jette pas, non, ne fume pas. C'est possible, ça va venir. Je suis en train de rêver là. Non, c'est rêver, c'est légitime. Moi, je rejoins c'est là pour dire pour notre devoir. Moi, je plaide, j'ai des enfants qui vivent en France. J'ai un enfant qui vit en Tunisie. Bon. La vérité, l'attractivité régionale, c'est une responsabilité collective. Il y a l'administration publique, municipalité, administration, il y a également l'université et l'éducation. On doit imprégner les jeunes par une culture de civisme, une culture de respect de l'environnement. Ça, c'est indispensable. L'école et l'université sont très, très importants. Et Dieu merci, nous avons une université à Gabès depuis 1975. C'était la première école à l'époque de la décentralisation de l'enseignement supérieur en Tunisie. Il y avait l'université, elle était uniquement à Tunis. Votre portable sonne, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vous écouter. Voilà, mais me poser des questions. Je termine avec ça. Allez-y, terminez, parce que moi, je vais critiquer l'université à Gabès. Non, je n'ai pas critiqué, je dis que c'est un devoir. C'est un devoir, nous devrons faire plus pour développer la culture de civisme auprès de nos citoyens. Ça, c'est une. Les associations civiles, c'est indispensable pour attirer les gens. Maintenant, les villes universitaires, les villes européennes se classent entre autres par l'attractivité des étudiants étrangers. On vous dit telle ville de 100 000 habitants, elle est classée la première en Europe parce que elle est ouverte, les moyens nécessaires, voilà. Culture, théâtre, cinéma. Justement, j'ai visité la foire de Gabès aujourd'hui. Je n'en reviens pas. J'étais avec Safa tout à l'heure, elle va nous parler de cette foire et de la culture à l'université. Je n'en reviens pas. Gabès mérite mieux que... C'est pas croyable. Je veux dire que merci pour ceux qui ont quand même organisé une foire. Mais quand même, Gabès, la foire à Gabès ou la foire à Zouz ou la foire un peu partout. J'aime pas ce mot foire. Je préfère salon. Salon international du livre. Salon régional du livre. Salon permanent du livre. Alors... Moi, je parlerai que Gabès, alors, détient une richesse énorme, la vannerie. Avec la vannerie, alors, elle peut servir l'environnement tunisien de Bizerte à Tataouine. Si j'ai bien compris, l'Arche-Suid me l'a dit tout à l'heure, il a dit, si toutes les villes tunisiennes prenaient une décision, offrir des couffins chaque samedi ou chaque dimanche, puisque les marchés sont hebdomadaires. Et reprendre cette opération plusieurs fois. Appel à notre ministre de l'Environnement, à nos ministres, aux décideurs. Je vous assure que le Tunisien, quand on s'adresse à lui, quand on lui fait confiance, quand on lui offre un couffin, plein de petites choses, bon, il va regarder ça comme ça. Deuxième fois, il va dire, oh, pourquoi pas, et ça va finir par marcher. Faites ça, gaffe ça. À Gabsa, on n'a pas de vannerie, mais il y a à Tozer, il y a à Gabès, mais Gabès, il y a plein de plastique là. Sont des champs. Mais il y a que du plastique là. Mais combien ça coûte un couffin gabésien? 4 dinars, 5 dinars. Alors, nous achetons à chaque fois, peut-être 2-3 fois quand nous allons dans une grande surface, nous achetons des sacs en plastique à 400 millimes. Pendant une semaine, on a déjà payé le prix d'un couffin qui reste toute une vie, le couffin gabésien. Et puis, c'est sort. L'Arche de Suez, doucement, là. Oui. Vous voyez, l'Arche de Suez est en train de se promener avec son couffin. Bien sûr. Plein de grenades. Il est en train de traverser une avenue. Mais c'est dans la tête. C'est mon l'esprit. Père, mes aïeux l'ont fait. Pourquoi ne le ferais-je pas aujourd'hui? Il faut réinventer ces gestes. Exactement, réinventer. Ça fait partie un peu de nos traditions. Et c'est facile à faire. Allez-y. Vous êtes professeur émérite, vous êtes romancier. Le vert et le bleu. Ce roman que Abdi Mrab a offert à ceux qui nous ont reçus aujourd'hui, nous remercions à Madame et Monsieur Makrem Zell. Et c'est avec la dédicace, c'est ça. Ce livre va aller en Suisse, ce livre sera peut-être traduit un de ces jours
en français, en anglais. Allez-y. Déjà en français. En arabe. Alors, oui. Je vais traduire en arabe. Alors, oui. Moi, vous avez parlé de valorisation. Alors, ce qui manque, c'est la valorisation de cette oasis, de ses ressources patrimoniales, de ses savoir-faire qui sont en train de partir. Parce que si on n'achète pas le couffin, comme vous le dites, il y a un savoir-faire qui va se perdre, qui va finir par se perdre. Et il y a aussi l'autre point, c'est la patrimonialisation, c'est-à-dire qu'il faut revendiquer son patrimoine, voilà. Il faut le défendre, il faut dire l'oasis, c'est mon identité. Et pour nous, Gabiziens, elle est notre identité, c'est ça le plus important pour moi. Donc le reste, c'est des choses qui sont… Qui passent. Alors ça, par contre, le rôle de l'université est là, dans cette question de patrimonialisation, dans cette question de valorisation. Pour les impliquer, les beaux-arts. Voilà. Nous allons demander à Safed de venir nous rejoindre. Safed, venez, Safed, parce qu'il y a une parité aussi, Safed. Zouaïd, elle est enseignante à l'Institut supérieur des langues de Gabès. Venez nous rejoindre, Safed. Elle a visité la foire aujourd'hui, ce matin. Elle parle de culture. Elle a, avec la direction générale de l'enseignement universitaire, elle a initié un projet avec l'ambassade de France qui s'appelle Face à Face. Allez, vous êtes face à Gabès, vous êtes face à cette belle oasis. Et ce matin, vous étiez déçu. Vous m'avez dit, mais où sont les Gabésiens tout d'abord? Pourquoi, comment on n'a pas vu cette affiche à l'Institut? Alors, ça va. Merci, Telahbib. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le fait de savoir qu'il y a une foire internationale du livre à Gabès, c'était quand même une très belle surprise. Internationale, on va dire régionale quand même. Oui, c'était régionale. Oui. C'était une très belle surprise, mais après, voilà, c'était aussi un petit choc. Je crois qu'il y a un problème de communication. Hein. Nous, en Tunisie, on a ce problème-là. Ça concerne la culture, ça concerne l'économie, ça concerne le tourisme. Ça va. Vous êtes à Gabès depuis 9 ans. Il faut la saluer, il faut l'applaudir. Toutes les semaines, elle vient de Tunis à Gabès. Aller-retour. Nos femmes nous augmentent. Nos femmes nous honorent, nous augmentent. Tout est poésie. Tout est poésie dans la femme. Tant pis pour les analphabètes. C'est un Algérien qui a dit ça, Malik Haddad. Je t'offre cette phrase. Merci. Ça va. Alors, vous êtes à Gabès. Allez-y, critiquez Gabès. Alors, je ne suis pas là pour critiquer Gabès. On est là plutôt pour parler de cette ville-là, pour essayer de d'évoquer cette ville en tant qu'une ville dynamique. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui se passent aussi à Gabès, comme le projet culturel Face à Face. Face à Face. Voilà, qui me tient particulièrement à cœur. Parce qu'il incarne tout simplement l'avenir de la culture, tant dans la région de Gabès que dans l'ensemble de notre pays. Pour vous le présenter rapidement, alors je dirais que d'abord il s'inscrit justement dans cette initiative plus large appelée CAP sur les départements de français, qui est portée, soutenue par la DGRU, la Direction Générale de la Rénovation Universitaire du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et par l'Ambassade de France en Tunisie, Service de Coopération et d'Action Culturelle, pour promouvoir la vie culturelle au sein de l'université tunisienne. Alors, je salue Fabrice Rousseau et Jules Suzanne, ils regardent. Et Louise Brumand. RTC, il écoute. Et l'autre jour, il m'a dit, dis donc. Bon, donc là, travaillons ensemble. Il n'y a pas un Nord contre un Sud. Il n'y a pas une Europe contre une Afrique. Il y a un monde à la recherche de lui-même. Le monde s'interroge, ça fait. Et vous êtes courageuse, vous dites face à face. Qui dit à l'autre, nous sommes face à face? Y a-t-il un dialogue de différence? Est-ce que la France est en train de dialoguer avec la Tunisie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Que dit-elle à la Tunisie? Alors, on dit qu'il y a déjà une culture universelle et diverselle. Voilà. Et exactement. Et qu'on parle de la diversalité aujourd'hui. Même si il n'y aura pas de visa, il n'y aura plus de visa, que nos jeunes voyagent, ils vont revenir. Parce qu'un Tunisien ne prend jamais un aller simple, ça fait. Nous sommes contre les visas. Nous sommes contre les frontières. Nous sommes contre les murs. Nous respectons les frontières. Mais la Tunisie est un pays ouvert. C'est un pays qui est plat. Jacques Brel l'a dit. Pour la Belgique, on le dit pour la Tunisie. Les Tunisiens sont très généreux. Je vous assure que depuis 2 jours à Gabès, on ne croit pas ce qu'on entend, ce qu'on voit. Des gens généreux, des gens très modestes, des gens très ouverts. Et ils sont très ambitieux aussi, ça fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela que quand on parle de face à face, le face à face est une rencontre avec l'autre, mais c'est aussi une rencontre avec soi-même.
Et c'est pour cela que nos étudiants, on les invite généralement à se découvrir, à découvrir leur propre culture et à découvrir aussi la culture de l'autre. Donc, on aimerait que les étudiants soient capables d'être aujourd'hui des acteurs de changement et qu'ils soient capables aussi de s'inscrire dans cette dynamique nationale, mais aussi dans une dynamique mondiale, tout en restant fidèles à eux-mêmes, tout en restant profondément ancrés dans leur propre identité, dans leur propre culture. Je crois que cela est essentiel aujourd'hui pour la Tunisie. C'est essentiel pour construire une université dynamique, une ville de Gabès innovante et aussi une Tunisie résiliente, connectée au monde. C'est très important, on a besoin de tout cela aujourd'hui. L'arrivée des séduits, là, il ne dit plus rien. Là. Oui, là, allez-y, là. Moi, je pense à la beauté de passant de sa Gabès, à la beauté de sa bien femme, sûr, à, sa, dit, à son français. Avec elle. Sauf que, personnellement, je reproche énormément au visa. Ah, le visa, c'est le visa ouais. du mépris. Il faudrait que la un France jour, ça revoie, va, ça, va, voilà, revoie voilà. Ça passera quand solution. Même d'octroyer des visas aux Tunisiens, parce que nous avons, de façon, des similités. Alors, depuis... L'Arche-Suède, laissons oui. tomber les visas, ça va non, partir. Non, mais ça fait, là, écoutez, ça, elle nous l'a rappelé. L'Arche-Suède, oui. Nous consacrons une émission qui s'appelle « Au large des idées oui. », la mobilité, oui. et elle aura lieu à Djerba. Et nous allons inviter tout le monde voilà, pour dire que ensemble, la Tunisie est un voilà. pays qui a reçu Ulysse et voilà. un pays qui reçoit tous les invités voilà. et les ceux et celles qui viennent en Tunisie n'ont pas envie de partir. Vous avez voilà. entendu tout à l'heure, Grâce, comme elle entendu. A dit avec son français, tunisien, suisse, à l'Europe, à l'Afrique, nous sommes ensemble, travaillons voilà. ensemble, exactement. Construisons ensemble. Là où nous sommes, c'est une œuvre collective. L'argent, oui. l'argent, c'est pas ça l'avenir. La Méditerranée aujourd'hui, c'est un lac, nous sommes sur les deux berges, de toute façon, il y a quelques un millier de kilomètres qui nous séparent, une heure et demie. Et nous avons des affinités ensemble. Nous avons notre culture, elle est. Alors, on l'a acquis personnellement de ma génération. J'ai vécu quelques années avec les Français, les derniers Français qui étaient en Tunisie, et je garde un excellent souvenir. Et ils m'ont appris à parler la langue de Molière correctement. J'ai appris. Ah, c'est Gabésien. Ah, c'est Gabésien. Enfin, c'est Gabésien. Non, c'est Capsien. J'ai dit un petit compliment pour sa faire. Zouaïdi, elle est enseignante à l'Institut supérieur des langues de Gabès. Elle nous a reçus à l'Institut Abdi Femrabet et on lui a demandé de planter un ou deux palmiers parce que à l'intérieur de l'Institut, il y a une belle cour, mais il n'y a pas de palmiers. On lui a dit, mais quand même, au moins, nous livions un palmier parce qu'en Europe, on est en train de débétonner les cours des écoles primaires, des collèges, des lycées et des instituts. Quand un élève, un étudiant se met sous un olivier, caresse un palmier, il n'est plus le même. Dans un monde où tout est virtuel, tout est abstrait. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, je suis d'accord, je confirme bien évidemment cette vision. Effectivement, lorsqu'on parle de la culture, ce n'est pas du tout une simple matière ou un simple complément à l'éducation. Elle en est l'essence, en fait. Elle en est le cœur battant qui permet d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir sur le monde, l'émancipation aussi des esprits, la liberté de penser, de créer. Et dans nos universités tunisiennes, Sidi Habib, oui. nos universités tunisiennes qui sont les lieux de savoir, oui. Elles doivent aussi, en tout cas, je crois qu'elles devraient vraiment placer la culture au cœur de leur mission. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos étudiants, malheureusement, aussi motivés et brillants soient-ils, ont du mal à accéder aux espaces culturels au sein de leur université. Je crois qu'en particulier en Tunisie et surtout dans nos universités, la culture, elle ne devrait plus être considérée comme une simple matière, un domaine. Est-ce qu'il y a une galerie d'art à Gabès? Est-ce qu'il y a une galerie d'art? Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, des forums pour que les jeunes se rencontrent? La culture, même à Tunis, nos étudiants font des efforts pour aller voir un vernissage ou pour assister à une pièce de théâtre ou voir un film. Est-ce qu'il y a une salle de cinéma à Gabès? Oui, il y a l'Agora qui a été installée il y a quelques années, effectivement, et là où on diffuse des films internationaux. Donc, un séjour, une belle, un espace pour les expositions. Et là, on va demander à Monji Kahloul, qui est...
qui est enseignant, chercheur et linguiste. Il va nous rejoindre, Monji. Alors, vous allez nous rejoindre, c'est Monji. Ah, petit peu, oui. Il y a peut-être autre chose à dire sur Gabès et sur le rôle de l'université pour servir Gabès. C'est d'abord d'apprendre aux jeunes l'histoire de Gabès. Gabès, c'est un creusot. Il y a plusieurs civilisations qui sont passées par là. C'est une géographie inouïe. Hein. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez la plaine. Il y a des milieux différents. Vous avez l'Est, vous avez l'Ouest. C'est une porte de communication. C'est la diversité. Vous avez l'élément berbère, vous avez l'élément arabe, vous avez l'élément européen. Tout ça est dans l'histoire de Gabès. Et ça, il faut le faire valoir. Ta capes, quel est l'ancien? Alors, le toponyme est berbère. On a enlevé le ta. Pourquoi? Pourquoi t'as enlevé le ta? Bah, pour faire, plus léger. On a arabisé, on a commencé par enlever le ta. Nos ancêtres, les berbères. Ta capes. Absolument. Ouais. Et les Romains, ils étaient là aussi. Oui, ils ont gardé le toponyme. Parce que tout à l'heure. Tous ils sont passés, toutes les civilisations. Le toponyme est resté le même, pratiquement. Gabès est la seule ville du bassin méditerranéen qui est en même temps portuaire et oasienne. Alors, elle ouvre sur l'oasis et elle ouvre sur le port, désert. Le plus profond de Tunisie, la porte du désert. La porte de Tripoli. Justement, il faudra parler de la mer saharienne aux étudiants. Par exemple, est-ce que les étudiants connaissent cette histoire de mer saharienne? Donc, Gabès était au centre. Il faudrait qu'on vous invite dans le cas du projet face à face pour que vous nous parliez de effectivement. Que chaque ville retrouve ses auteurs, ses poètes, ses philosophes, ses ingénieurs, ses architectes, ses décideurs, parce que ça c'est important. Et pas au détriment des cours, ça fait, parce que là, j'ai l'impression que parfois les activités culturelles, masterclass, etc. On demande aux étudiants de quitter les salles pour aller écouter un auteur qu'ils n'ont jamais lu, alors qu'il va falloir inverser, distribuer les livres tout d'abord, hein, le livre par exemple Le Vert et le Bleu, que ces étudiants lisent un livre sur Gabès, que d'autres écrivains, on a pensé à Henna, là Mohamed Bardi, il y a la possibilité de connaître la ville à partir des livres écrits sur la ville, des recueils de poèmes, à partir de ces philosophes, de ces penseurs. Donc là, on va une petite pause parce que il veut avoir justement le flash et on va reprendre après avec d'autres invités. Et moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et là, on félicite notre interlocuteur Faisal qui est de l'autre côté, qui est en train de nous écouter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Nous sommes à Gabès et on n'a que l'amour pour Gabès et pour Jacques Brel et pour Faisal El El qui est en train de nous gâter, qui rend hommage à sa femme qui, pendant 9 ans, fait la navette pour rencontrer les étudiants du Grand Sud, les étudiants de Gabès, et pour leur dire « Réveillez-vous, Gabès vous attend, la Tunisie vous attend ». Monji Kahloul, qui est gabésien, il est linguiste, il a travaillé sur le parler des oasis et bien sûr que Monji Kahloul, tous les mots sont d'adultes. On a dit des choses, on a essayé de dire de belles choses. Parce que le plus important, ce n'est pas du tout d'avoir été ceci ou cela. C'est de le rester. Que faire pour que l'oasis de Gabès, qui est sans pareil au monde, oasis, Abdi Mourabat l'a dit, l'a rappelé, est une oasis maritime, donne sur la mer. C'est à la fois ceci et cela. L'énergie solaire, Gbeli de l'autre côté, Gafsa de l'autre côté, avec la mer. Il y a mille et une possibilités pour que cette Tunisie qui se construit, qui est ambitieuse, qui a envie de dire au monde qu'elle compte sur ses enfants, qu'elle compte sur ses enfants qui savent voyager, qui ne prennent jamais un aller simple, comme cet enfant qui est revenu à Gabès et qui est en train de construire une belle, disons, comment dire, proposition. Moi, j'appelle ça une belle proposition, un camping où il est interdit, où il est permis de dormir avec les... avec la faune, avec la flore, avec... Vous avez réagi en arrivant là, ici, c'est votre ville. Là. Oui, bien sûr, je suis... D'abord, je tiens à remercier toute l'équipe, finalement, pour cette belle initiative. Et franchement, ça nous fait beaucoup, beaucoup de plaisir parce que, en fait, par les temps qui courent, ce genre d'initiative a tendance à se faire de plus en plus rare.
Et donc, en tant que Gabésien, en fait, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis bon, je suis parti à l'étranger pour les études. Vous êtes revenu? Oui, je suis revenu, oui. Moi, c'était déjà dès le départ, c'était comme ça. Hein. Donc, dans ma tête, il fallait revenir. Ils partent tous, ces Gabésiens, oui. Ils reviennent. Hein. Oui, ils reviennent parce que Gabès, on dit qu'elle a une belle odeur. Une voilà. Belle odeur qui nous hante. D'ailleurs, moi, j'ai toujours, en fait, je suis parti pour peut-être 10 ans en tout, mais chaque année, je rentrais, et finalement, le petit coin, l'odeur du henné, pas les palmiers aussi, ils ont une odeur, c'est-à-dire, hein, ils ont une odeur. Donc, Ovid a raison, quand oui. On vit loin de son pays, ah oui, on c'est... perd son humeur et la couleur des choses. Oui, absolument. Et vous, vous êtes revenu. Oui. Alors, vivez à Gabès maintenant. Oui, oui. Qu'avez-vous offert? Qu'avez-vous fait? Bah, offert, c'est-à-dire. Qu'avez-vous réalisé? Oui, j'ai réalisé. C'est-à-dire, on a essayé de faire quand même de petites choses. Allez-y, parlez-nous de vos projets. Bon, c'était à un certain moment, bon, il y avait toute une équipe qui voulait faire des choses, sauf que malheureusement, on ne dit pas assez. C'est que parfois, c'est vrai que au niveau disons, autorité, etc. Soyons concrets, là, les choses, là, n'aime pas si vous. Allez, doucement, concrètement. Monji Kahlou, vous êtes linguiste, vous êtes universitaire. Gabès attend que Monji Kahlou se réveille à la conscience de cette jeunesse qui attend des clés pour construire l'avenir, pour ouvrir les portes du monde. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire qu'on a, fait des choses par le passé. Ça veut dire, par exemple, des activités avec les étudiants, avec, disons, les étudiants, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément, c'est-à-dire les terraires. Hein. Et je dois dire… Allez, le parler des oasis. Son rôle, Oufigueb, ce que dit-on, il y a un parler spécial. Ah oui, quelle est l'expression la plus humaine, la plus généreuse? Allez. Vous êtes linguiste. Oui, par exemple. On a plein de allez-y, exemple. De mots, d'ailleurs, qui ne sont même pas connus par les autres Tunisiens. Exemple. Vous travaillez sur le lexique de Gabès. Oui, le lexique, par exemple, quand on dit quatre. Que veut dire quatre? Hein? Quatre. Que veut dire quatre? C'est un petit talus, quoi. C'est ça, c'est l'oasis. Oui. L'oasis. Oui, encore l'oasis. Un mot. Par exemple, pour dire manger avec du bruit, hein, sémantiquement attesté, on dit raz. Raz. Et raz, c'est-à-dire ça fait du bruit. Parce que les dates. Mange, oui, et raz, c'est le bruit que fait la date, c'est-à-dire qui n'est pas à l'état mûr, comme les dégla, par exemple. Hein. Raz. Oui, ouais. Raz, et on dit blah. Donc blah, ça va un peu dans ce sens-là. Donc, il raz, forcément, ça fait du bruit. C'est peut-être pas poli de faire du bruit en mangeant, mais là, on n'est plus rien. C'est-à-dire, en mangeant, on est obligé de faire. Vous avez une question à poser à Monji Kahlou. Il travaille sur le lexique, sur Geb, sur les expressions de Geb. Oui. Une expression. Oui. Il y en a plein. Non. Ouf, je n'ai pas gabésien. Non. Ouf, j'ai pas entendu ce mot à Gabès. Ouf, non. On va gommer. Oui. Expression. Il y en a plein, mais je ne sais pas dans quelle. Ça va venir. Oui. Moi, je vais offrir à Monji Bled Zitouna ou Nakhla Amurha Matakhla. L'oasis des oliviers et des palmiers. Oui. Est éternel. Oui. Alors, au secours, Bachir Dedi, vous êtes ingénieur général, vous avez travaillé sur l'eau, alors rassurons ceux qui mettent maintenant des panneaux solaires, qui sont en train peut-être de faire quoi, la nappe phréatique, etc. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour l'eau? Évidemment, il y a toujours des solutions, parce que vraiment, au niveau de la nappe, ça a tendance à baisser, les ressources, elles sont limitées, elles sont peu renouvelables et éventuellement le cas du sud tunisien et principalement à Gabès, il faut essayer d'orienter les autres secteurs vers les zones non conventionnelles, principalement l'industrie et l'eau potable, vers le dessalement et vers la réutilisation des eaux saumâtres et laisser le peu d'eau des nappes qui sont des eaux éventuellement des nappes, comme je viens de dire, c'est-à-dire peu renouvelable à l'agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui c'est quand même un secteur qui consomme beaucoup d'eau, et si on fait pas attention à ce que nous sommes en train de faire, on risque quand même de à la pénurie de l'eau, et certains périmètres
peut-être risqueront d'avoir quand même beaucoup de problèmes si on ne fait pas attention à la bonne gouvernance, à la bonne gestion de l'eau. Oui, Agabès attend assez de géothermie pour vraiment alors créer des périmètres géothermiques, parce que si jamais on a la quantité suffisante, les réserves suffisantes d'eau géothermique, ça peut vraiment apporter à la Tunisie une richesse énorme. Alors, est-ce possible? Au niveau de la géothermie, c'est-à-dire que en tant que culture, ça a commencé pendant les années 80, maintenant nous sommes à peu près à 150 hectares. C'est-à-dire que la géothermie, c'est une culture qui consomme de l'énergie. Et l'énergie, elle peut venir, on peut l'avoir soit de l'eau chaude, soit sous une autre forme. On peut chauffer l'eau par d'autres moyens énergétiques. Donc, c'est une culture très rentable, ça produit et c'est économiquement très rentable et ça permet aussi de valoriser la main-d'œuvre locale. Donc, un hectare de géothermie, ça rapporte beaucoup par rapport à un hectare de culture classique, hein, oisir. Mais Agabès, vous avez des eaux alors naturelles. Oui. Ils n'ont pas l'eau de pluie, par exemple. Non. Les eaux géothermales, géothermiques, elles sont en majeure partie utilisées. Voilà. Il y a certes une autre quantité qui n'est pas encore utilisée, mais la majeure partie des eaux géothermales, elles sont utilisées pour la géothermie. Même les eaux de la Sonnette, qui sont des eaux chaudes, on essaie de tirer profit de l'énergie par des échangeurs thermiques et utiliser cette énergie. Agabès, on a réussi quand même à utiliser. Mais avec les ressources disponibles en tant que secteur géothermal, c'est un secteur d'avenir pour la région. Exactement. Donc, on a encore quand même beaucoup d'efforts là-dessus pour pouvoir faire beaucoup de recherches. Là où nous sommes, il y a un mègle. Il y a un mègle pour les eaux pluviales. Il est de l'autre côté. D'ailleurs, nous sommes dans une oasis. Est-ce que les eaux industrielles jetées dans la mer ne sont pas, ne pourraient pas être récupérables? Les eaux industrielles, elles sont récupérables à condition qu'elles soient traitées. Voilà, on pourrait toujours les traiter. Si on pousse le traitement à un traitement tertiaire, elles sont valorisables, soit au niveau du secteur principalement agricole, ou bien dans d'autres secteurs, parce que la technologie, elle existe aujourd'hui pour pouvoir valoriser ces eaux non conventionnelles. C'est Béchir, mais il y a un autre problème, ce sont ces panneaux solaires. Un peu partout, moi je parle de pollution visuelle. Mais Gab, c'est une belle ville. L'oasis est très belle, elle est sublime, elle est magique. Quand je vois des panneaux solaires comme ça, après tout, pourquoi pas? On ne peut pas arrêter le progrès. Mais ça se fait au détriment de l'urbanisme, de l'architecture de la ville, des belles façades. Quand on voit des palmiers, et sous les palmiers, il y a des oliviers, il y a des vignes, c'est tout un paysage. Et là, ça attire les étrangers, ça attire aussi les Tunisiens. Sauf que ces panneaux solaires qui poussent un peu partout maintenant devraient obéir à un cahier de charge, par exemple, là. Oui, allez-y. Même en Europe, maintenant, on est en train de corriger ces plats. On les voit plus. Parce que comme les paraboles, on en voit un peu partout et ça pollue. Il y a ce qu'on appelle la pollution visuelle. Et la ville de Gabès a besoin de charmante. Elle veut garder son charme quand même. Oui, c'est un problème de pollution visuelle, comme vous venez de le dire. Le problème, c'est que c'est un problème du coût d'énergie pour les agriculteurs. Ils sont obligés d'aller vers la solution la plus rapide. La solution la moins coûteuse, éventuelle, c'est la moins coûteuse. Donc à ce moment-là, il faut essayer peut-être dans certains endroits, et principalement les systèmes oasiens qui sont des systèmes agro-écologiques qu'il faut bien conserver, aussi bien à Gabès qu'ailleurs, donc qu'il faut bien conserver, à ce moment-là, faut essayer peut-être de respecter un peu ces environnements-là par un type de cahier de charge. Voilà. Vous êtes quand même ingénieur général et spécialiste. On vous écoute, on admire ce que vous dites. Vous êtes connaisseur, vous êtes savant. Il y a un savoir-faire. Pourquoi a-t-on bétonné les lits des ouèdes, des fleuves en Tunisie alors que la nappe phréatique a besoin d'eau? Il y a des inondations à Bouajar, mais c'est pas croyable. On construit un collège à côté d'un ouède. Mais il y a des distances à respecter. Il y a le lit de l'ouest. Des enfants comme ça, on a vu des images que la Tunisie n'a pas envie de voir. Vous êtes spécialiste, vous êtes ingénieur général. Que s'est-il passé? Qui a pris ces décisions? Alors, c'est les ingénieurs. Nous les respectons, les ingénieurs. Mais le monde est en train de changer. C'est-à-dire que le problème au niveau de toute cette infrastructure vient d'être mise en place. C'est le manque d'eau et c'est la pression sur les ressources.
Parce que si on revient à l'histoire toute récente, c'est-à-dire aux années 70 du siècle dernier, l'eau des oasis était artésienne, aussi bien à Tozer qu'à Gbelli qu'à Gebs. À Gebs, c'était Ras El Aïoun, c'était des eaux, c'est-à-dire que ce qu'on appelait, nous, le système, on avait un système ouvert, c'est-à-dire que l'eau des sources, elle dépasse les besoins de l'oasis pour pouvoir irriguer toute l'oasis et le surplus, il va jusqu'à la mer. Maintenant, avec la pression sur la ressource pour tous les secteurs économiques, tous secteurs confondus, on a une pression sur la ressource et nous sommes appelés à réduire les pertes parce qu'on ne se permet plus de faire véhiculer l'eau dans des canaux en terre, dans des séguias aussi larges, dans des sols sableux, parce que les problèmes d'infiltration et des pertes, aussi bien par infiltration que par collature, c'est des pertes énormes. Ça va jusqu'à 40, 60, voire 40, 50, voire 60% du débit. Et si vous avez un manque d'eau au niveau d'une oasis, la première chose à laquelle on pense, c'est d'essayer de réduire ses pertes. C'est ce qu'on appelle l'efficience au niveau du réseau. Bon, c'est vrai qu'au niveau panoramique, c'est vrai que ça donne quand même alors du béton. Mais à l'intérieur de l'oasis, ça ne va pas. On a essayé dans la majeure partie des cas de faire des conduites enterrées. C'est mieux. Les dallos, c'est dallos, les fameux dallos. Là. Les fameux dallos, c'est vrai. Les fameux dallos pour protéger les villes des inondations. Mais où va l'eau? Où va l'eau de pluie? Dans la mer? Pour tout ce qui est dallos des villes des inondations. Enfin, pour protéger les villes, d'accord. C'est nos collègues au niveau du ministère de l'Équipement. C'est vrai que ça pose un autre problème, mais il faut voir un peu tous ces aspects de paysage, enfin de vie paysagère, éventuellement d'essayer d'en tenir compte un peu partout, comme dans l'oasis. Nous aussi, on a fait pendant un certain moment de conduites en béton, de séguer en béton, mais c'est vrai que parfois, lorsqu'on visite une oasis avec les trois strates, donc le palmier, l'arboriculture, l'étage inférieur, les aînés, les cultures industrielles, les cultures maraîchères, les cultures fourragères, c'est vrai, ça donne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'oasis, et que ça donne quelque chose qui est un peu imposé. Monsieur Del, vous avez voyagé, vous, là? Ben vous étiez oui. Où, là? Ah ben, j'étais un peu partout. Vous avez étudié où, ça? J'ai étudié à Tunis. J'étais en France aussi, après je suis retourné. Vous êtes donc un autre Gabicien qui revient. Bien sûr. Ça va. Alors, une question à Mounji, une question à Béchir, allez-y, là. Vous avez un spécialiste, un ingénieur général, c'est une chance. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant. Mounji, il cache son jeu, là. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors nous, par exemple, dans le cas du projet Face à Face, l'année dernière, on a organisé 16 ateliers couvrant des sujets aussi divers que la pollution atmosphérique dans la région de Gabès, par exemple, d'autres sujets comme la PNL, la programmation neurolinguistique, l'art de la vie, l'argumentation, l'art de parler en public, la cohérence cardiaque, etc. Béchir, inviter, justement, là, c'est une belle occasion pour inviter nos experts gabisiens, comme ça, ils peuvent faire part de ce projet aussi. Monji, alors, d'autres expressions? Quelles sont vos ambitions pour... Non, mais c'est-à-dire que, voilà, maintenant que j'ai depuis peu une petite unité de recherche. Comment? Le titre qui vient de démarrer s'appelle Cipral, c'est-à-dire de la syntaxe à la pragmatique des langues. Oh là là. Voilà. Doucement là, de la syntaxe à la pragmatique des langues. Nous sommes à Gabès, là. Oui. L'ancien vous a dit, il y a le palmier, l'olivier, il y a le havine, il y a le froment. Oui, j'arrive. Voilà, allez-y. Et donc, on a l'idée, en fait, et ça vous le savez peut-être mieux que moi, que l'université de Gabès, enfin, je parle de l'ISL, je peux dire que nous sommes le parent pauvre de toutes les autres spécialités dans la mesure où, voilà, la majorité sont des scientifiques et finalement, quand on demande, des choses, on nous dit en quelque sorte, voilà, c'est généralement maintenant c'est les nanotechniques, c'est la technologie en quelque sorte. Vous vivez à Gabès? Oui, bien sûr. Où ça? Dans une oasis? Non, mais à côté de... Où ça? Où? À côté de la mer, quoi. Et vous passez votre journée comment, à part l'université, là? Dans des cafés? Non. Non, moi je... Vous allez où, à Gabès? Moi, je... Pensez à ces jeunes, ils vont où, là? Oui, les jeunes, quels jeunes? Nos jeunes, les pauvres... Ils sont très ambitieux. Oui, sauf qu'ils n'ont pas où aller, hein. Ah bon? Ah oui, ça c'est votre clair. Faute, là, hein? Non, C'est la faute à Hugo, c'est la faute à Kahloul. Voilà, donc. C'est pas la faute à Victor Hugo quand même. Là. Non, pas du tout. Ni à Zola, ni à Balzac. Vous êtes francisant.
Oui. Donc, non, les idées, elles sont là, sauf que, bon, il faut les moyens, ça vous le savez plus que moi. Quand on n'a pas le moyen, bon, il faut être quand même modeste. La suite. Je voudrais m'adresser à l'érudit hydraulicien, Sibachir, pour lui demander, est-ce que vous n'avez pas mal au cœur en voyant des torrents d'eau pluviale passant se déverser dans la mer, alors qu'il est très possible de construire des bassins de retention dans des zones arides et puis surtout des lacs collinaires. C'est une richesse. Au Maroc, il fait toujours marche arrière. Hein? Non, mais avance, c'est une richesse. Nous avons besoin d'eau. L'oasis et de comment, Bersa, et comment, l'oasis de toutes les oasis de Tunisie actuellement, vraiment, elles ont soif. Et puis nous avons, alors, comme les dernières pluies, on aurait pu retenir des millions de mètres cubes d'eau. Et il suffit de rien pour, passant au pied des montagnes, on construit, passant, nous avons des jeunes qui ne font rien. La Tunisie est en train de construire des barrages quand même. Hein. Il y a même un très grand barrage. Dans le nord. Mais oui. Nous, le peu de pluie qui tombe ici, oui. Nous avons, à Gabsa, nous avons 164 mm par an. Gabs, je crois, 200 mm par an. Il faut retenir cette eau. Pourquoi va-t-elle se déverser dans la mer alors qu'on peut construire des lacs collinaires? Voilà, c'est monsieur. Alors, au niveau de cette approche-là, c'est-à-dire que tous les Sud-Tunisiens, vous connaissez parfaitement que la moyenne pluviométrique, elle est inférieure à 150 mm. Et on a à peu près une année pluvieuse sur sept. Une sur sept. Donc, les techniques qu'on a utilisées dans le Sud-Tunisien, c'est pour ce qu'on appelle principalement les techniques douces. C'est les techniques de Jussour, qui sont connues aussi bien à Gafsa qu'à Gebes. Donc, toute l'eau qui tombe dans la zone montagneuse ou même dans la plaine, elle est en majeure partie, elle est retenue. Moi, je donne l'exemple des dernières pluies, on a eu 100 mm et rien n'est passé à la mer. Tout a été retenu au niveau des jussours, ce qu'on appelle, nous, c'est l'eau verte. C'est retenu au niveau des jussours et nous avons des cultures, éventuellement des cultures en sec, qui poussent, principalement l'olivier. Si je donne l'exemple de Gabès cette année, nous sommes classés 5e au niveau de la production des olives sur toute la République. Nous sommes le 5e après Sidi Bouzid, je crois, 2e c'est Sfax, 3e c'est Kairouan et 4e, j'ai oublié le nom, 4e ça devrait être 4e Gafsa, 5e c'est Gebes. C'est Gebes, mais c'est Gebes aussi parce qu'on a le 2, on a l'irrigué, on a le sec. Et le sec, on a essayé de mobiliser au maximum les eaux de surface grâce à ces techniques douces. Au niveau technique de soit des barrages ou bien des lacs collinaires, parce qu'on a à la fois une forte évaporation et on a un problème d'ensablement, c'est-à-dire un problème d'érosion éolienne. Donc, c'est l'erreur, c'est-à-dire qu'au niveau des barrages, nous sommes limités à Gafsa, sur les barrages sur Wadi Kbir et le barrage de Sidi Rich. Un autre barrage aussi que je connais à Tozer, mais c'est Tozer, c'est plutôt pour pouvoir peut-être récupérer une partie de des eaux. Sinon, dans la région, ce n'est pas rentable. Et puis, la pluviométrie ne permet pas quand même de créer ce genre. Vous avez parlé d'oliviers. Il y a des oliviers bizarres que j'ai vus, qui ne sont pas grands. Et on m'a dit, les Gabysiens, maintenant, parmi ceux qui choisissent ces oliviers qui viennent de d'où, d'Espagne. Les oliviers, c'est pas incroyable. Regardez cet olivier, là. Nous sommes sous un olivier. Regardez le tronc, il est millénaire. Un pli l'ancien va se fâcher. Pourquoi choisit-on des oliviers espagnols? Nous respectons l'Espagne, nous adorons l'Espagne, elle prend des positions révolutionnaires, nous adorons sa culture, sa manière de voir le monde, mais un olivier tunisien, par rapport à un olivier espagnol, il y a un dialogue, un face-à-face, dirait ça fait là. Alors, allez-y, vous êtes hydrologue, hydrodicien, ça, vous êtes spécialiste. De toute façon, moi, je suis hydraulicien, donc spécialiste. Mais votre point de vue. De l'eau. Ouais. Mais mon point de vue, c'est-à-dire que ces dernières années, l'orientation s'est faite sur un certain nombre de variétés étrangères, principalement qui espagnoles. Qui demandent beaucoup d'eau. Mais c'est des variétés qui sont, au niveau de l'intensif, elles sont très rentables. Au niveau de l'extensif, encore. Au niveau de l'extensif voilà. Et des cultures en sec,
et au niveau de l'adaptation par rapport au contexte bioclimatique, c'est vrai que nos variétés autochtones telles que le Chemleli, le Zarrazi, Chemcheli de Garça aussi, c'est des variétés qui s'adaptent mieux au contexte agro-bioclimatique. Mais par contre, au niveau des variétés qui sont utilisées en intensif, avec des densités qui vont jusqu'à 1500 pieds à l'hectare, donc ces variétés-là... Les uns sur les autres, hein, il n'y a pas d'espace entre les deux. Non, mais vous voyez, c'est pas spécifique à Gabès. Hein. Vous allez depuis Gabès jusqu'à Kairouan, en passant par Garça, en passant par Sidi Bouzid. Aussi, c'est des variétés qui sont très rentables lorsqu'elles sont en intensif. Hein. Elles donnent des fruits à partir de 3 ans. Et puis, on peut les cultiver à 2 mètres d'espace. Semble-t-il, parce qu'Abdelbrahim, si, d'accord, il va venir tout à l'heure. S'il est d'accord, parce que là, il y a quand même ce qu'on appelle le génie d'une région, le savoir-faire d'une région, l'oasis, ses traditions, ses rites, ses gestes. Et vous savez ce que nous avons vécu pour la figue de Barbarie. Ce sont des problèmes qui nous viennent d'ailleurs, qui sont venus d'ailleurs, qui ont pollué Noé, et nous avons payé très très cher problème de cette pollution qui vient toujours d'ailleurs. Ces oliviers, leur durée de vie, c'est 15 ans. Après 15 ans, ils meurent. Oh là là. L'olivier meurt. Alors que cet olivier est éternel. Millénaire. De toute façon, il y a des oliviers millénaires, des oliviers romains. Dans l'oasis de Gabès. Vous aimez les oliviers espagnols, vous? Non, moi, j'ai pas d'idée. Ben, bon, si on est pressé, C'est-à-dire du moment où c'est. des oliviers. Vous savez, ces universitaires, là, qui ne se promènent pas, qui ne voient pas l'oasis qui est en train de se transformer. Avec Abdelatif Mrabt, on a vu que les oued ne sont pas là, Non, les oued. Il faut quand même, de temps en temps, demander aux autorités, aux jeunes, que ces jeunes étudiants. Et c'est l'université qui devrait, Mwanji, programmer des sorties, quitter les labos, quitter les classes, aller dans les oasis, sous les oliviers, à côté des palmiers, et demander à ces étudiants de ramasser les ordures, de s'occuper de leur ville. Imaginez, pourquoi une semaine pour la propreté? Mais non, il faut que ce soit une tradition, il faut que ce soit quotidien, hebdomadaire. La ville de Gabès, moi, ça fait 2 jours que je suis à Gabès, Gabès mérite mieux. Driss, il va se fâcher. Gabès, Jannat Donia. Oui, mais sans plastique quand même. Hein. Driss, à l'époque, il n'y avait pas de plastique, cher Driss. Alors, c'est un petit peu brave. Vous dites le vert et le bleu. Quel bleu, là? Le bleu du plastique? Non. Le bleu de la mer. Le vert de l'olivier. Le vert du palmier. Alors, Mwanji, changez de programme. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut, hein. On le fait déjà, c'est-à-dire, en été, on le fait, hein. Donc, il y a des gens qui viennent, c'est du bénévolat, ils viennent nettoyer un peu. J'ai vu le polygone ce matin, je ne fais pas de publicité, mais la mer à côté du port, paraît qu'on ne se baigne pas. Vous baignez-vous, où ça? Non, en été, on se baigne et pas même. Où ça? À Gabès? Ah oui, à Gabès. Donc, la mer est belle à Gabès. Elle est même très belle. Sauf qu'il y a un problème de pollution, il va falloir régler ce problème. J'ai cru comprendre que pendant l'été, ils arrêtent un peu tout ce qui est pollution. Même la fumée, il faut la laver. Alors, pour laver la fumée, ça dépend du vent, du mouvement du vent. Rassurez-vous, chers Gabésiens, restons optimistes. C'est Habib, vous avez ouvert une parenthèse. Le figuier de Barbarie, la Tunisie, cette année, elle a perdu presque 50% de son patrimoine. En Tunisie, nous avons 650 000 hectares. Nous sommes les champions du bassin méditerranéen. Le Maroc, 150, l'Algérie, 140 et nous, 650. L'Institut international du figuier de Barbarie, il est à Tunis. C'est Ali Nefzaoui, son patron. Alors, on a perdu 50%. Les pauvres, cette année, n'ont pas eu le droit à leur dessert. Parce que ça coûte pas cher. C'est délicieux. Et malheureusement, on l'a arrêté. Il s'est arrêté de lui-même à Kasserine. Et il faut travailler sérieusement pour sauver ce qui est encore, qui peut l'être. On a laissé passer, de toute façon, la cochenille. On est resté 4 ou 5 mois sans rien faire. On a regardé, et puis
les conséquences, ce sont des... Monsieur Del, là, ce sont des problèmes encore une fois. Le monde est en train de muer. Ça change un peu partout. Il y a un dérèglement climatique un peu partout. Nos ingénieurs travaillent, nos laboratoires travaillent. Mais les Tunisiens sont très ambitieux, sont pressés. Ils veulent des solutions. Et là, là où nous sommes, c'est une possibilité du tourisme culturel. C'est une possibilité de sauvegarder, d'apprécier le patrimoine. Nous avons vu là une faune, une flore. Tout est possible ici. Et Makram, Karam, Biaini, on dirait Drissi, hein. Et il a eu le courage de tenir bon, parce qu'il faut tenir bon, hein. Béchir. Ben oui, je suis parfaitement d'accord. En fait, le système oasien, c'est un système agroécologique complexe où tout peut s'interférer éventuellement. Du culturel, avec l'économique, avec le social, tout devrait travailler en symbiose. Le tourisme culturel, il a une place importante dans les oasis. Moi, j'étais dans une autre région oasienne aussi, j'étais à Tozer, et on a vu quand même se développer quelques projets, pour ceux qui connaissent bien Tozer, quelques projets agro-touristiques qui se sont bien développés. Même à Gabès, maintenant, on commence à avoir... En d'autres termes, un touriste qui visite la Tunisie veut cueillir les olives, participer. Même, Makram m'a parlé d'une idée géniale. Ces étrangers qui, à la limite, acceptent de parrainer des oliviers, une dizaine, une quinzaine, assistent à la ou participent à la cueillette des olives, vont voir l'huilerie, récupèrent l'huile d'olive, traversent l'oasis, récupèrent des objets. Ça, c'est génial, c'est nouveau. C'est un travail, en fait, qui intègre horizontalement pas mal de ministères et la société civile. Tout le monde a quand même une quote-part de responsabilité pour y travailler, parce que ça fait beaucoup de temps que tout le monde, que beaucoup de gens, beaucoup de Tunisiens considèrent que l'oasis, c'est un périmètre irrigué. C'est pas un périmètre irrigué classique. L'oasis, c'est un monde vivant où beaucoup où toute la société a sa place pour pouvoir y travailler, sauvegarder l'existant et le développer éventuellement avec une approche de développement durable. Alors, à sa durabilité. Alors, nous allons demander à Abdi Mrab de nous rejoindre là pour le, je dirais, parce que l'ambition de l'Arche des idées, c'est des clés, c'est des solutions pour la ville, c'est des solutions pour la jeunesse, pour l'avenir. Abdi Mrab, puisqu'il est professeur émérite, il est historien. Merci Monji Kahloul. Un grand merci, et Monji promet de changer d'angle et d'associer les étudiants pour trouver des solutions pour Gebs, qui reste un paradis, le paradis du Sud. Abdi Mrab, allez-y, vous venez. Si, Safin, alors avant de donner la parole de nouveau à Abdi Mrab, Safin, allons-y. À part le face-à-face, allez, ça fait 9 ans que vous êtes à Gabès. De temps en temps, quand même, vous dites, cette ville, on traverse, on regarde un peu les cafés. Est-ce qu'il y a des espaces pour une mixité à Gabès? Oui, quand même. Pour les jeunes? Alors, oui, bien les sûr. Les étudiants? Oui, il y en a quand même des espaces où... Parce que j'ai les cafés que j'ai vus, là, il y a des chicheurs. Oui, voilà. Oui. Oui, il y a quand même pas mal d'espace. Après, il faudrait qu'on... C'est un terrain qui est aussi pas trop bien exploré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment que tous ensemble, main dans la main, qu'on crée des espaces dédiés à la vie de oui, jeunes. Mais, hein, oui, ça fait concrètement. Il fait un temps à Katène, là, Katène, là où nous sommes. Là, visiter Gebs, mais avant de partir, il y a des marchands de tout, de Koufin, de Grenade, de Henna, et là, avec l'autoroute maintenant, on a vu, avec Abdelatif Mrab, plein de, comme ça, d'espaces fermés. Comment récupérer ces familles, ces marchands, et leur permettre d'utiliser l'autoroute en payant ce qu'il faut payer, avec des cahiers de charges, et aménager un peu l'entrée de Gebs en prenant l'autoroute, Abdelatif Mrab? Je vais peut-être revenir à Plin l'Ancien, parce que vous aviez commencé en... Mais n'oubliez pas ma question. Oui, j'oublie pas la question. Pour dire que Gabès, et revenir à Idrissi en même temps, Plin, quand il a parlé de Gabès, il a parlé de miracle. Il a parlé de fertilité. Il a parlé de quelque chose d'exceptionnel. Lui, en tant que Romain, il était administrateur, il était procurateur. Ouais. Il est venu à Gabès.
Il a vu les choses de visu, de près. Donc, l'oasis de Gabès, c'est un bien précieux. Mais c'est ça qu'on a tendance à oublier maintenant. C'est ça qu'il faut avoir en tête tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai parlé de patrimonialisation. C'est pour ça que j'ai parlé de valorisation. S'il n'y a pas cela, il n'y aura pas grand-chose. Les choses vont continuer à péricliter comme de par le passé. Malheureusement, il faut le dire, je le redis, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est la réalité. C'est un bien précieux, très délicat. Des solutions. Alors, tout à l'heure, Sébastien a dit que tout le monde est impliqué, parce que l'Oasis, c'est l'affaire de tout le monde. Bien sûr. C'est de la société civile, c'est c'est l'agriculture, c'est l'enseignement supérieur, c'est l'industrie, c'est l'environnement, tout cela en même temps. Alors, il faut maintenant agir et agir efficacement. Il ne faut pas parler de choses comme ça en l'air, parce que jusque-là… Des solutions concrètement. Il faudrait que, d'abord, les autorités locales prennent en charge l'Oasis. Il n'y a pas… Comment, par exemple, qu'ils n'accordent plus de permis de construire à l'intérieur du périmètre oasis. Mais les Gabésiens vont se fâcher. Ils ne vont pas se fâcher, ils vont comprendre. Mon fils va se marier, j'ai pas de... Non, pas du tout. Le loyer coûte cher. Non. C'est la loi, c'est le règlement, c'est écrit dans les textes. De toute façon, il est interdit de construire. Il est interdit d'abattre un palmier. C'est écrit dans le journal officiel. Donc, on peut penser à des structures légères. Alors, il faut trouver des solutions. Voilà. Il faut penser à un fonds d'abord. Un fonds pour racheter des terres. Ceux qui veulent abandonner leur oasis parce que pour une raison ou une autre, c'est l'État ou c'est la collectivité locale qui achète, qui doit avoir un droit de préemption. En d'autres termes, si j'ai bien compris, que serait Gabès sans cette belle oasis? Absolument. C'est ça? Oui, absolument. Donc combien d'hectares en tout là? Je ne sais pas, il y a 600 maintenant 600 à peu hectares. Près, on parle de 600. Et voilà. Oui. Alors il faut comprendre que le devenir de la ville est lié au devenir de l'oasis. Si l'on veut que l'oasis de Gabès tienne le coup, il faudrait que la ville s'y intéresse de plus près. Il faut que la ville ait un regard sur l'oasis. Alors maintenant, on a l'impression que parfois, on tourne le dos à l'oasis. Les choses sont en train de se détériorer. Ça va, c'est insidieux, ça va vite. Hein. On ne se rend pas compte, mais on a quand même commis quelques gaffes, il faut le dire. Hein. On a bétonné le oued de Gabès. On n'a jamais vu ça. Le oued de Gabès est en partie bétonné. Il est transformé en un canal fermé. Il va falloir débétonner alors. Eh bien, absolument, il faudrait que les choses. Avoir le courage de dire, on va reprendre cela, parce que ça se fait un peu partout. Absolument. Nos ingénieurs, nous ne mettons pas en cause le savoir-faire de nos ingénieurs. Nos ingénieurs voyagent, regardent un peu ce qui se passe ailleurs et se rendent compte qu'on a pris des décisions à un certain moment, mais il y a maintenant d'autres décisions à prendre. Absolument, absolument. Moi, je dois dire quand même, pour ne pas finir sur une note négative, il y a des choses positives qui ont été faites. Par exemple, la labellisation de ce fruit. La grenade de... Maintenant, il y a une appellation AOC contrôlée. La grenade de Gabès. De Gabès, avant tout. Oui, le festival alors de Catane. Alors, le festival de Catane a arrêté de fonctionner après 2011-2012. Il semble-t'il a repris ses derniers temps. Défend ses grenades, ils sont plus dynamiques. Il faudrait que Gabès défende son oasis avec son palmier. D'abord, il y a les cultivars de palmiers qui sont en train de disparaître. Il y a moins de variétés de palmiers actuellement qu'il y en avait il y a 10 ans. Tout à l'heure, vous parliez de fruits, de légumes, etc. Et il y a des gènes à conserver. Il y a des cultivars. Il y a une banque des gènes. Il faudrait qu'il y ait une banque. Alors, il y a une association dont on n'a pas parlé et dont le représentant n'est pas là. Malheureusement, c'est celle de Chénigny qui est en train de travailler à une banque des gènes. Banque des cultivars. L'oasis de Chénigny. Il faudrait des stations de compostage un peu partout. Il faut continuer cette opération de tertiarisation qui m'a Macron, comme l'a fait Macron. C'est-à-dire que, il faut s'ingénier à sauver ces oasis en investissant. Et que dire des oliviers espagnols? Votre point de vue, bien entendu. Moi, je suis pour l'olivier local, régional. Vous êtes chauvin, là? Je suis chauvin. Alors, si les Espagnols sont aussi chauvins que moi. Non, les Espagnols ne sont pas chauvins. Écoutez, ils ont leur olivier, on a le nôtre. Il va se fâcher. Non, ils ont le leur, on a le nôtre. On peut avoir un,
C'est une question de quota. Voilà, voilà. C'est une question de quota. C'est la rentabilité, c'est l'âge de l'olivier, ouais. 15 ans a dit. Alors, oui. On ne peut pas interdire aux gens de construire dans l'oasis. Celui qui a une propriété, il n'a pas de terrain de façon à construire pour son fils, il est là. Mais ce qu'on peut faire, c'est les lotissements, interdire les lotissements dans les périmètres irrigués, dans les périmètres de l'oasis. Et d'une, et puis, il faudrait vraiment interdire de viabiliser la STEG et la SONED. Il faut pas qu'ils ramènent de façon l'électricité et l'eau à des quartiers sauvages, d'urbanisation sauvage, qui gangrènent l'oasis par le béton. Comme ça, on peut de façon restreindre, mais les gens, les agriculteurs, leurs enfants, ils sont. D'ailleurs, il y a une loi qui autorise le propriétaire d'utiliser, je crois, le 1/10 de sa propriété en construction. Il y a une loi. Non, mais les oasis sont de toutes petites superficies. Il ne s'agit pas de champs. Un hectare. Non, il n'y a pas d'hectare. Non, c'est rare et c'est exceptionnel. Moi, je ne connais pas de, on dit chez nous, jardin ou rabat qui fait un hectare. Non, ce sont de toutes petites parcelles. Ce que vous voyez là, c'est un ensemble de parcelles qui sont très petites. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a déjà un démembrement, parce que chacun hérite d'une parcelle ou de deux. Le Gabésien, il veut maximum s'approcher de ses oliviers, de ses grenadiers. Il veut habiter dans son oasis. On ne peut jamais l'empêcher. Et quand il est là, il peut servir, il peut travailler. Ses enfants peuvent aider le grand-père et tout. Mais il faudrait trouver une solution pour conserver l'oasis. Il faut la trouver. Alors, vous avez une solution, ça va ? Oui. Voilà. Alors, la solution, ça va ? Alors, je crois que la solution se trouve dans la culture. La culture est un enjeu très important. Il faut en fait qu'on arrête de parler culture. Pour vous, la culture, afakaf, hein ? C'est-à-dire, voilà, enlever tout ce qui est, voilà, tout ce qui est brouillon, tout ce qui est absolument violent, tout ce qui est, parce qu'on a vu les enseignes, même un peu partout, on ne sait pas ce qui se passe en Tunisie, mais tous les slogans sont violents. Il y a toujours des structures injonctives. Est-ce que les linguistes travaillent sur ça, là? Il faut dire les slogans autrement, là. Oui, il y a quand même des recherches. Consommer, tunisien, enfin, est-ce que les, même les graffitis à Gebs, on a vu les graffitis, hein. Et il va falloir travailler sur ça aussi. Bien sûr, il faut travailler sur ce genre de discours spécialisés. Ce sont des discours qui sont très spécialisés, qui veulent faire passer un certain message assez particulier et qu'il faudrait bien évidemment encourager les recherches à creuser sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a des toilettes publiques à Gabès? Il faut que les gars viennent me répondre. Un chauffeur de taxi à Gabès qui a besoin urgent, qu'est-ce qu'il va faire? On a posé cette question à Bizerte, on va la poser à Gabès quand même. Il accède à un restaurant. Vous avez le micro, là. Là. Oui. Là, c'est un tabou. Quel tabou? C'est un tabou. Qu'est-ce qui est tabou? Dans une réunion municipale, j'étais membre de la municipalité de Gafsa, j'ai évoqué ce problème. Ils ont rigolé. Ah bon? Comment construire, demander à la mairie de construire des toilettes publiques? Et pourtant, deux jeunes ont conçu des lieux d'aisance, disent les Japonais. Il y a de la musique, on peut charger son portable, on peut lire et relire en attendant, etc. Et c'est démontable, c'est beau, c'est vert, c'est bleu, c'est gentil. Pourquoi ne pas généraliser cela? Créer des emplois, les lieux d'aisance, on appelle ça. D'ailleurs, ça s'appelle en tunisien, en arabe, hein, Maken Rah. Pour les Romains, c'était le meilleur Bet-rah. Lieu. Alors, chez les latrines publiques, la maison. De toute façon, vous voyez à Smeit, actuellement, il y a des toilettes qui sont encore conservées. Elles sont vraiment meilleures que le salon, que toutes les pièces de la maison. Donc, voilà nos projets. Alors, résumons-nous, Abdi Lumrat. Que les oasis restent humaines, ouvertes, plurielles, diverselles, vertes. Qu'elles gardent leur intégrité, qu'elles gardent leur charme, absolument. Leur magie, alors, en essayant de trouver des cahiers de charges, d'encourager les décideurs locaux, donc, régionaux. Donc revenons au Ségia. À Sarkia, oui. Revenons aux structures classiques. Bachir est d'accord là, Bachir? Oui, il est d'accord, mais je pense. Hein. Moi, je pense Bachir, que vous êtes d'accord, Bachir? Il n'est pas d'accord. Vous avez le micro. Et on est d'accord à condition de limiter les pertes, parce que les pertes, on n'a pas beaucoup d'eau. Oui.
On ne se permet pas quand même de faire du gâchis. Donc, il faut trouver des techniques. Absolument. On a parlé bien de gouvernance adapté, tout à l'heure. Bien mais adapté. Mais nos ancêtres géraient ça avec rationalité, je veux dire. Il n'y avait pas de déperdition. Maintenant, avec le système Apios que vous avez, il y a des problèmes avec les vannes, il y a des problèmes avec de coûts. Mais avant, c'est-à-dire jusqu'aux années 70, on avait 15 000 hectares d'oasis au sud. Maintenant, on en a 50 000, donc trois fois plus. Maintenant, tant mieux, là, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, ça consomme beaucoup plus d'eau. Et l'eau, au niveau de la nappe, ça a tendance à baisser. Voilà. Et la baisse de la nappe, vous savez, la nappe qu'on exploite, c'est entre les trois pays, donc Tunisie, Algérie et Libye, ça a tendance à baisser. Et on craint, si jamais on atteint un certain niveau, l'intrusion des eaux salines, des eaux de mer. Et donc, faut trouver des solutions. Et c'est un phénomène irréversible. Donc, il faut gérer nos nappes d'une façon la plus rationnelle possible. Essayer d'en tenir compte un peu de tous ces problèmes dont vous venez d'évoquer, mais de trouver des techniques qui sont capables d'économiser l'eau, de conserver l'eau et de bien gérer cette ressource avec un système efficient et avec une approche de développement durable de cette ressource. Voilà. Vous avez dit bonne gouvernance. Nous parlons de villes, maintenant les villes intelligentes. Une ville intelligente, c'est une ville où il y a des espaces, on va parler de rond-point anglais ou de priorité à droite. Il y a des Tunisiens qui disent, je comprends pas. Il y a la priorité à gauche et la priorité à droite. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables à Gabès? Alors qu'il y a des oasis, il y a des itinéraires magnifiques avec quelques vélos. Et là, Macron m'a promis de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On a parlé des lieux d'aisance. On a parlé de faune et de flore. On a rappelé le génie de l'eau romain. Ah oui. Avant, les Romains préservaient l'eau des citernes à droite et à gauche quand il y a un fleuve. Et quand il y a une pluie torrentielle, les citernes se remplissaient, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez dit le mot, mais pas le mot qu'il faut. Parce que quel est le mot qu'il faut? Ce n'est pas le génie romain. Tout à l'heure, il a été question de Sour. Pline, quand il est arrivé, je redis ça, il était bouche bée, il était émerveillé. Oui. Comment ces gens-là géraient leurs ressources hydrauliques? Et dans son livre, l'histoire naturelle, avec une science du partage, en fonction de la superficie de chacun. Je suis désolé là, mais Abdi Mrabat m'a chatouillé. Alors, je vous offre cette phrase dans un texte du 1er siècle. Le grand écrivain latin Pline l'Ancien, auteur de la fameuse Histoire naturelle, décrit la beauté étagée de l'oasis de Gebs. Là, sous un palmier très élevé, croît un olivier. Et sous l'olivier, un figuier. Et sous le figuier, un grenadier. Sous ce dernier, la vigne. Sous la vigne, on sème du froment, puis des légumes. Tous, dans la même année, tous s'élevant à l'ombre les uns des autres. Que c'est beau, la fin. Tous s'élevant à l'ombre les uns des autres. Si nos ingénieurs, nos architectes, nos professeurs, nos journalistes, nos architectes, j'ai dit, nos poètes, nos philosophes, nos enfants vivant à l'étranger, conjuguer leurs efforts les uns avec les autres. Et je vais appeler Makram, il va nous rejoindre encore une fois. Makram, vous venez, parce que vous avez quand même une ambition. Abdif, avec votre permission, si Makram, venez. Vous êtes chez vous, nous sommes chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez reçu toute une équipe. Il y a du monde, il y a des Gabésiens qui sont venus là. Et vous avez entendu tout ça là. Vous vivez en Suisse, vous là. On se dit, un Gabésien qui est en Suisse, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient à Gabès, là? La Suisse, c'est le paradis. L'Idriss y avait dit cela, Gabès, paradis de l'univers à l'époque. Et maintenant, le paradis, c'est l'autre côté, c'est la Suisse. Et là, quel est votre point de vue? Mon point de vue, pour le moi, paradis est partout? Le paradis, c'est chez moi, c'est chez nous. C'est Gabès, c'est Gabès. Et c'est pas un rêve, mais c'est un but pour moi.
Et pour tous les Tunisiens, en fait, qui vivent en étranger, ils aiment bien améliorer la situation de la Tunisie. On aime bien avancer. Mais il y a des difficultés quand même là. Il y a, mais bon. Bon, doucement, mais rapidement. Quelles sont les difficultés? De la paperasse, des autorisations, vous dites quoi? Non, la bureaucratie, en fait, c'est trop. C'est-à-dire la bureaucratie, un peu partout. On vient pour 2 semaines, en fait, de passer 1 semaine, c'est-à-dire de faire un papier, d'aller retourner, de trouver quel dossier. Mais il y a quand même des décideurs qui vous ont encouragé. Correct. Il y a quand même. Correct. Faut les saluer et vous êtes optimiste. Je suis optimiste. Moi, le but, en fait, c'est-à-dire pour moi, pourquoi pas, et c'est pas pourquoi pas, c'est un but, l'aéroport de Gabès, pourquoi pas. On a oublié l'aéroport de Gabès. Ouais. Mais pourquoi pas, il y aura une ligne directe de l'aéroport de Gabès vers Zurich. Et on peut, si on veut, on peut. Et je peux le faire. Ah, vous pouvez le faire? Je peux le faire. Les Français vont se fâcher, là. Un direct sur Paris-Gabès ou Zurich-Gabès? Mais ça va s'ouvrir. C'est-à-dire, si on ouvre vers Zurich, c'est-à-dire Gabès-Zurich, pourquoi? Mais l'aéroport est loin de Gabès. Il est à combien de kilomètres de Gabès? 30 kilomètres. Il va falloir trouver tout d'abord une solution. On a parlé de pistes cyclables. Ça vous intéresse, les pistes cyclables? Ça m'intéresse le tout, en fait. C'est-à-dire, si on va avancer avec ça, si on va avancer pour la région. Et pour moi, en fait, cette région, elle en a besoin. Et c'est pour ça que je suis retourné et j'ai décidé de commencer et je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Je vais avancer avec mais tous les... Mais vous avez inventé ce couffin, vous, avec les poignets à l'envers. On revient à ce couffin. À ce couffin miraculeux. On vous offre ce livre. On vous offre ce livre de Abdi Mrabat, le vert et le bleu. Et on va demander à Safa encore une fois, c'est l'art de suite. Les conclusions sont toujours provisoires, elles sont très difficiles. Ça fait, à part le face-à-face, à part la culture, à part le projet avec l'Institut français, nous remercions nos interlocuteurs, nos amis, les Italiens, les Français, les Suisses, les Allemands. C'est vrai, ils s'intéressent à la Tunisie, ils s'intéressent à l'Afrique. Oui, nous souhaitons que tout change, que nous avons parlé de grenades en début d'émission. Nous avons dit que nos grenades sont pour la paix. Elles sont belles, elles sont magnifiques, elles se mangent. Et nous avons dit que la Tunisie est dans la nuance. Elle aime la nuance, c'est un pays de la nuance. Il pleut, il a plu à Gabès. Alors là, nous voulons maintenant des phrases pour rassurer El Idrissi. 12e siècle, El Idrissi, Gabès, Jannat al-Dunya, et c'est Bachir. Ben, Gabès, paradis de l'univers, il faut que tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde travaille. Travaille avec, dans une approche de complémentarité et de solidarité. C'est un grand défi parce que les systèmes voisins, comme je viens de le dire, c'est un système très complexe où tout le monde a sa place et tout le monde doit y veiller pour la durabilité des oasis et pour la souveraineté de ces oasis. Il faut que tout le monde y travaille et on y arrivera éventuellement. Bien sûr, dans un contexte qui restera toujours un contexte un peu difficile, c'est le contexte de changement climatique, c'est le contexte des changements socio-économiques qui pèsent lourd sur l'oasis principalement. Mais je crois que si on veut, on peut. Vous avez combien de palmiers, vous? À Gabès? Vous possédez combien de palmiers? Moi, j'en possède pas. Vous n'avez même pas de palmiers? Non, j'ai tout en irrigué, moi, j'en ai pas. En milieu sec, j'en ai quelques palmiers. Combien de palmiers? Je crois 3 ou 4. Mais 3 ou 4 palmiers, c'est exceptionnel. 3 ou 4 palmiers. J'essaie de sauvegarder. Est-ce qu'on vous a offert un palmier, Safa? Vous êtes à Gabès depuis 9 ans. On lui donne le micro. Vous êtes à Gabès depuis 9 ans. Est-ce qu'on vous a offert un palmier? Alors, je voudrais quand même saluer la générosité de tous les Gabésiens. C'est une ville qui est très généreuse. Je vais finir avec 3 points essentiels. Allez-y. D'abord, il ne suffit pas de parler de culture. Aujourd'hui, les jeunes Tunisiens, ils préfèrent vivre la culture, ils préfèrent l'incarner, la partager. On a en Tunisie, pour rassurer quand même Monsieur Driss, on a en Tunisie une culture qui est très riche, qui est très dynamique. Aujourd'hui, on a besoin de répondre à 3 besoins fondamentaux. 1, créer des espaces culturels dédiés à la jeunesse tunisienne. 2, encourager les jeunes talents aujourd'hui, ça c'est très important. Et 3, on a besoin aussi d'intégrer la culture dans notre quotidien pour qu'on la fasse vibrer dans chaque coin de notre société, dans chaque coin de notre Tunisie. L'important, ce n'est pas de créer un simple espace dédié à la culture. L'important, c'est de bâtir un vrai et un solide pont entre la Tunisie et le monde. L'important, c'est la rose. Bien sûr, on vous offre la rose. L'art de suite, alors.
Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que je suis très optimiste. Vous êtes venu de Gafsa, on vous remercie, on vous félicite. Vous êtes venu de Gafsa avec votre fils que nous saluons. Hakim. Voilà, ça c'est aussi le génie tunisien, la famille, la semaine dernière, le père, le fils, voilà, vous êtes venu deux fois d'ailleurs. Deux fois. Voilà. Oui, mais je suis très optimiste. J'en appelle à toute la jeunesse de Gebs, comme toute la jeunesse tunisienne, à croire en leur chance. Et puis à retrousser les manches, il ne suffit pas d'y croire, retrousser les manches et réimplanter la culture du travail qui a tendance à être perdue depuis quelques années, dommage. Et si les Tunisiens travaillent, je suis certain que la Tunisie sortira un peu du bourbier où elle s'est trouvée ces 10 dernières années. On va retrouver la joie de vivre, on va retrouver, nous avons une ville qui a tout, 1400 kilomètres de côte. Voilà. L'huile d'olive, les dattes, les cerveaux, surtout les cerveaux. Voilà, la porte est ouverte. Nous remercions cette famille qui nous a reçus. Makram Rzel, votre nom, dans votre nom, votre prénom, il y a tout. Hein. C'est tout le génie de Gebs. Nous vous remercions. RTC, c'est mobilisée, elle bouge, et nous remercions l'établissement de la radio, toute l'équipe, le chauffeur, Amour Bachir, l'Akhdar Souedi, il est venu de Gafsa, Sofiane Ben Nejma pour ses photos, pour ses images, il a visité l'Oasis, s'est déplacé, un grand bravo pour Sofiane, Ali El Balti, alors là, lui, il a tout fait pour assurer l'harmonie, pour vérifier les micros, pour voir de très près tout ça, et Faisal Halel, qui a nous a offert une très belle chanson gabsienne, hein, Gebs, Aziz Alina, tout Gebs, Jannat Dounia. Un grand merci pour RTCI. On vous dit à la prochaine, ce sera à la Marsa, la rentrée culturelle. Un grand merci pour tout le monde. Et je vous assure que nous n'avons rien dit, parce que la Tunisie est toujours et toujours en mouvement. C'est toujours un pays qui se construit et les conclusions sont toujours provisoires. Tous les mots sont adultes en Tunisie. Merci. À un de six jours.